Bonjour YouTube, on se retrouve pour une petite vidéo sur Gwent, le nouveau jeu sorti par CD Red Project, si je ne me trompe pas. Et donc du coup, on s'en va tester ce magnifique jeu. Alors j'ai fait normalement une petite vidéo pour vous montrer, mais elle est tombée dans les enfers de l'oubli de mon PC. Du coup, ben, on commence directement par ça, parce qu'il y avait un petit tuto. Donc j'ai essayé de vous expliquer. Et on va jouer Redding qui a l'air complètement pété de ce que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Alors j'espère que ça va, c'est assez rapide à trouver les parties. Ça a l'air d'être assez rapide, on en a déjà une. C'est bon. Donc du coup le jeu c'est Gwent. Tu vas mourir, Vermisso. Donc au tout le monde joue à Redding qui a l'air complètement pété. De toute façon pour l'instant c'est le seul qui soit pété. En tout cas pour commencer. Enfin bref, attendez, je regarde un peu, ça, tu t'en vas. Alors évidemment, je connais un peu les cartes. Hop. C'est quoi ça? Ouais, pas mal. On vire ça. Voilà. Deux points du jour. Non, brouillard impénétrable. On pourrait balancer le brouillard impénétrable dès le premier tour, mais non. Mais non. Cavalier sauvage, ouais. Du coup, on va balancer directement le fielo. Donc du coup le Gwent qui est tiré du jeu Gwent qu'on avait sur The Witcher 3, qui est exactement pareil mais avec joue pareil que moi. Du coup, le problème c'est que j'ai pas le truc reproductible, donc on va garder ça. Bien compris. Voilà, c'est ça que j'ai. Du coup, là, on est contre une personne. Alors, Descartes, c'est le niveau qu'on a, je ne sais pas. Ah, lui, il joue les Arrakas. Du coup, nous, ce qu'on va faire, là, on va mettre le brouillard. Hop. Lui aussi, il les avait. Ah, sauf qu'on a égalité. On est à égalité, c'est parfait. C'est parfait. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, ils sont vieux, plus plein. Que nous. Hop. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Alors j'ai cette carte, il y a un 8. Qu'est-ce qu'il va faire? Là pour l'instant on est en mauvaise posture, j'ai l'impression. Ah, évidemment je teste des choses. Depuis votre jeu, ouais pas depuis à des fausses. On a un temps? Qu'est-ce qui se passe? Ah, sonnerie de la charge, d'accord. Sonnerie de la charge. Cette carte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Rassemblement. Ouais, mais ça a mis sur le jeu le rassemblement. Merde. Mal joué. Ah, quoique. Ça dépend de ce qu'on va piocher après. Parce que oui, alors celle-ci, il y a un effet en gros de. À la mort, ça fait dès qu'elle meurt. Oh la vache, saligo. C'est derrière la ligne. On va passer. Ah c'est chiant ça par contre. Passer le tour aussi sûrement là, ça sert à rien. Le deck de base, hein, c'est. On peut faire plus de base que ce qu'on a. Oh putain, il en garde une en plus. Bon. Et moi je garde celle qui devait mourir, mais non. Je garde celle qui devait mourir, c'est un enfer. Ah, je pense qu'il a gagné là. Je pense qu'il a totalement gagné, il y a déjà 18. Ça dépend de ce qu'il fait. Est-ce qu'il va essayer de me pousser à jouer des cartes ou pas? Fait que oui. Regardez, lui il a plus de cartes que moi. Bon.
Bon, il a gagné, hein. Il a gagné. Alors ce jeu, je pense qu'il va me faire rager très rapidement parce que j'ai l'impression que c'est pay to win pour l'instant, hein. Bon, bah du coup, j'ai pas le choix. Si je veux le dépasser complètement, faut que je... Allez, finissons-en. Balance, ça va pas être suffisant, donc... Comme ça, on a bien perdu plein de cartes. Mais c'est pas fini. Début de la dernière manche, c'est parti. Alors lui garde ça. Hop. Hop, moi je gagne ça. Waouh, génial. Et j'ai même pas reproductible. Bon, on balance la racasse. Comme on voit, moi je peux pas avoir plus le deck de base. Toute résistance est inutile. Ah putain. On va essayer de la booster autant qu'on peut. J'aurais dû commencer par ça. À moins qu'il me la tue là maintenant et donc du coup j'ai perdu. C'est le jour de votre mort. Oh la vache, mais quel enfer. Bon, moi ce qui est bien c'est que je les récupère. Sauf que lui aussi les récupère. Mais moi j'ai lui qui va se buffer entre temps. Ah oh, mais là c'est un enfer. Et mon guerrier vrant qui va rien pouvoir faire. C'est dur ce jeu. J'ai l'impression que pour l'instant c'est quand même, ça reste quand même un gros pay to win ce jeu. C'est un peu ça qui me gêne. Vous pouvez gagner, vous devez acheter les tonneaux avec toutes les cartes, sinon vous allez galérer pour avoir des cartes et gagner. C'est un peu dommage. Allez, finissons-en. Allez Gérald, il a gagné. Tour, c'est-à-dire qu'elle va gagner, tac tac, elle va gagner encore 5 points, mais ça peut être suffisant. Et ce qui me saoule, c'est que je vois faire des erreurs, quoi. Ouais, bon, allez, hop. On est à 30. 30 et il va gagner. Voilà, 55. Elle gagne un truc. Moi je passe. À lui. Qu'est-ce qu'il a passé? Oh, il faut qu'il joue. Il dit dans tous les cas. Bon. On va recommencer. On le félicite. Hein. On reste gentil. Fermé. Une récompense supplémentaire, d'accord. Carte 25-25. Ouais, donc justement, on va regarder un peu les decks et je vais en profiter pour vous montrer. Collection, on va en profiter pour regarder un peu. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Retour, c'est dans créateur de jeu. Voilà, Eredin. Oui, déjà tu fais ça. Tu mets ça aussi. En fait, j'ai envie de tout mettre, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Ça, c'est utile. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ou ouais, en gros, on va tout mettre. Je comprends pas pourquoi de base, ils mettent pas tout. Ça, non. Ouais, remarque, allez. Hop. De toute façon, avec les monstres, faut bourrer à chaque fois. Cri de guerre, on les prend. Ça, on prend. Ça, non. Bombe de Dimitrium, c'est pas mal pour enlever ça. Bon, on va essayer le nouveau deck qu'on a fait. Même si je pense qu'il marchera à zéro. Je sais pas c'est quoi le bon équilibre à avoir pour l'instant. Est-ce qu'il faut bourrer? Je sais pas. De toute façon, on va essayer. J'ai l'impression que Eredin, tout ça, c'est ce qu'il y a de plus pété. Puisqu'ils craignent pas en gros. La plupart de ces unités craignent pas les changements climatiques. En avant! Chargé! Tu vas mourir, vermisseau. Du coup. Cool, bannissier unité à l'auteur. Oh, essaye de observer sa force. Des fausses ou de l'autre. D'accord. Retirer un à la force d'unité. Ça, faut qu'on les garde. Ça, il en faut qu'une.
brouillard en garde. L'incinération, c'est pas mal, mais bon. Arrakas, on en garde. Et brouillard impénétrable en dessous. J'aurais pas dû vous vérifier. Alors, vas-y. Allez. La politique ne m'intéresse pas. On est assez. Ça c'est en argent, c'est ça, et ça vous auriez pas des vivres chez une fin de loup. Hop. Sauf que moi, potion du tonnerre. On les bu. On les bu. Et là il va me sortir une incinération. Il va me sortir l'incinération. Ouais, il faut plus la force. Ah que quoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Double la force de toutes les unités affaiblies. Ah, affaiblie. T'as mal lu. Tu as mal lu. Alors pour l'instant on a aucune... Ouais si, on a des cartes, mais c'est pas des cartes créatures. Sauf pour nos ghouls. Ça. Et on va balancer notre ghoul qui va aller se repaître. Oui mais je m'en fiche. Dans un cas ou comme dans l'autre, je suis gagné. Voilà. Ah non, remarque, si j'aurais mangé là-bas, peut-être pas. Juste qu'elle est retombée à 3 quand elle est venue ici. D'accord. Eh, ferme. Préparez-vous. On a l'avantage. Ah non, plus l'avantage. Tac. On pourrait balancer la manticore. On va balancer la manticore. On pourrait mettre Hereda. On va mettre la manticore. La carte peut rester, donc possiblement bien qu'elle reste. Je pourrais faire le cri de guerre, est-ce que ça vaut le coup? Non, vaut mieux attendre qu'il y ait un. Et donc, du coup, on va balancer RN. Voilà. Et là, il va passer sur tour normalement. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là on va passer notre tour. Il va recouvrir les cartes s'il veut réussir à nous rattraper. Faut qu'il couvre les cartes. Oh oh, les ennuis arrivent. Ok, donc adversaire il va passer son tour. Est-ce qu'il va lancer un paquet de cartes? Non, il passe son tour. Donc là j'ai quand même beaucoup plus de cartes que lui. Mais ça veut pas dire pour autant que j'ai gagné, ça se trouve il a gardé les plus forts. Bon, je garde ma manticore. J'ai le fielon et j'ai ça. C'est dommage. J'aurais bien voulu le brouillard. J'aurais dû le garder. C'est pas grave, je peux balancer ça et envoyer un de mes guerriers de la chasse sauvage le manger. Alors ça c'est très con de ta part. Ça fallait pas le faire. Parce que je le gagne et en plus ma carte reste. C'était pas bon. Mauvaise décision. Allez, les Arrakas. Donc là, par contre, j'ai tout balancé dans sa figure. Et tu l'as tué, mais c'est pas grave. Je ne le prends pas mal du tout. Hop. Ok. Et c'est bon. Merci. On va faire ça pour faire patienter. Des cartes. Pour le roi! Ouais, d'accord. Hop. Toute résistance est inutile. Les voix sont prêtes. Serrez les rangs! Toute résistance est inutile. Ah. Ça devient une carte or. J'ai une carte. Salutations. Oh parfait. Hop. Toute résistance est inutile. Hop. Et on balance ça pour le fun. Oh critique. Et
et donc on a gagné. Ouais, première vie. Yo. Évidemment. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que bouer les cartes avec Eredin, c'est bien. C'est pour ça qu'il reste bon. Donc on gagne 15. Tac. Allez, on commence avec Eredin et après je vais peut-être essayer Cranar Crate si on a le temps. Et on s'arrêtera là. Écrasez cette vermine! Allez. Les dernières paroles? Je pense que je ferai peut-être des lives sur ce jeu. Parce que pour moi, il est super intéressant. Alors ça en vire. Ça en garde, ça en garde. Ça on va le garder, cette fois-ci on fait pas l'erreur. Le monstre, on le garde aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on va virer? Bon, on va virer ça. Allez. Alors. Ping. C'est à moi. Donc du coup, on commence par la vache. La vache qui, si elle meurt, nous donne une carte 9. Elle est pris d'abord. Après, on fait le golem, évidemment. Ah, la tour de siège renforcée. Ouais, par contre, on va tuer ça tout de suite. Voilà, on attend qu'il la buff pour le décevoir. On va attendre qu'il la buff. Comme ça, il sera très déçu. Parce que la particularité de cette carte-là, c'est qu'elle se buff à chaque fois qu'il y a une carte spéciale qui est jouée. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Ouais, est-ce qu'on le laisse? Qu'est-ce que ça fait? Au bout de tour, quand j'essaie de la manche, j'essaie de se retirer d'une bataille ou jusqu'à la fin de la manche. Ouais, il n'y a pas d'intérêt à la tuer. Peut-être ça, mais j'ai pas envie de la tuer, donc ça, on va plutôt faire. Paf. Rassemblement. Voilà, le mastodon. Chaque fois qu'une unité située de votre côté absorbe la force de l'autre côté. Serrez les rangs! Pas du tout. Gérald. Gérald qui a quand même notre place partout. Non, pas d'intérêt. On joue raid. Hop! Il passe à 7. Là, il va être pas déçu du tout. En fait. C'est pas ton jour de chance. Parce qu'elles sont, dorées maintenant. Invulnérable J. Oh, mais il peut pas être tué. Ou qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qui est possible? J'aurais dû la tuer en fait. Ah, bon, ouais. Parce que du coup, je peux pas. Je peux juste viser elle, parce que c'est pas suffisant. Oh, ça pourrait la descendre pas mal. Comment ça il a été buffé lui? Ah oui, mais c'est le pouvoir de Foltest, c'est vrai. Des dernières paroles. Avec Geralt. Qu'est-ce qu'il a fait? Abandonne, t'as aucune chance. Tac. Le problème c'est que j'ai Eredin et je crois que Eredin sera tué par... On va faire ça. Allez, préparez-vous. Ouais, ça c'est bien. Parce que là je fais ça. Hop. Et je reprends l'avantage. Je te l'avais dit, crétin. Ah, pas mal ce combo. Et là, je pourrais balancer le brouillard.
Et je reprends la table. Tu vas passer ton tour ou tu vas me laisser gagner celui-là? Vous voulez quoi? Il en buffe 2. Sauf que moi je fais tac. Personne ne s'échappera. Je fais ça. Et je passe à ça. Et là, quoi qu'il fasse, je pense qu'on va passer notre tour. Longue vie, blablabla. Et donc voilà. Du coup, on passe notre tour. On le laisse gagner. Sauf que nous, on va avoir un avantage, c'est qu'on va avoir une carte qui va rester. Et la possibilité d'augmenter le nombre d'unités qu'on a. Tu gagnes celui-là. Peut-être qu'on aurait peut-être dû le faire avant. Je sais pas. On garde la racasse. Qui est très bon. Et on gagne tous. Donc là, tu fais quoi? Là, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. On est à 15. On passe ce tour. Je prends le risque. Je prends le risque parce que, très franchement... Très franchement, là, utiliser ces cartes-là, ça serait quand même perdre pas mal d'atouts. Alors, on va voir ce qu'il va faire. De toute façon, j'ai perdu, là. De toute façon, j'ai complètement perdu. C'est bon, il l'a passé. Il a passé. En fait, la bombe de Dimetarium n'est pas très utile avec nous. La plupart de nos cartes résistent à le cri de guerre. Ouais. Bon. Ce qu'on va faire, on va faire ça. J'en peux plus. Ouais. On balance la bombe. Très jolies animations, tout ça. Très jolies animations. Moi j'aime beaucoup. Retrovesque. Ah, ça devient des cartes d'or. Eh bien, nous on balance ça. Et là, ce qui me gêne, c'est qu'il fait une incinération et il nous tue deux cartes. Ça, c'est parfait. Parce que du coup, j'ai juste à faire ça. Et elle passe à 8. Sauf que c'est pas suffisant. Allez, faut une petite carte à 1. Allez, une petite carte à 1 qui tombe. Ah, pas du tout. Et je pense qu'il a gagné la poule. Personne ne s'échappera. Ah, il gagne de peu. Il gagne de peu. Ah, c'est dommage. J'aurais dû économiser plus de cartes. On le félicite. Bravo. Et donc, du coup, on va essayer le. Celui que j'avais dit. Là, ça traverse. C'est quoi? Pas moyen de savoir ce que ça dit. Bon. On va essayer Kraangret. Qui est AK le nordique. AK le nordique. Et on va voir ce que ça donne. En avant! Chargez! Votre cœur est celui d'un Kraangret. Alors, c'est quoi ce qu'il avait dit? Au début de votre tour. Hop. Quand la présente unité a réussi à jouer 4 à sa force initiale, pas mal. Et envoyer la défense sur les langues ours. Merci à l'unité de bronze. Ça, on va garder. Retirer 2. C'est bon. Bon, va-t'en. Si tu le suicides comme ça. Hop. On va virer ça. Et on va retirer ça. Hop. Oh, la lacération qui est restée. C'est pas ton jour de chance. C'est vrai que c'est Foltest. Hop. Le printemps, c'est ma saison préférée pour partir en raid.
qu'il va faire? Que va-t-il faire? D'accord. Bah du coup je pense que ce qu'on pourrait faire c'est passer là directement et après je le ressuscite. Là par contre ça risque d'être serré après. Je trouve que sa carte dorée a dégagé. C'est pas grave, on paye. On va voir l'avantage après. Ah d'accord, c'est à chaque fin de tour. Ok. Ça fait quoi? Invulnérable à la pluie. Pas mal. Pas mal du tout. Ah vas-y, joue. Ah, enfin. Ce qu'on va faire nous. On joue qui le sera assez brave pour affronter les Wildcard? Bah combien on a une unité de monstre. Et quand il revient, 4 à la force initiale. C'est énorme. Hey, hit. Nous servons celle qui est la Vierge, la Mère et la Moire. Yes. Bonjour. Ça va. Parce que... Geralt. Bonjour. Ceci était bon, c'est ça. Passe. Bien, alors attendez. Non, ouais, non, ça vaut pas le coup. Ouais, mais à coup. Quand il y a des fausses. Ouais. Non, vaut mieux, ils envoient tout le monde à la mort. Là, il n'y a aucune unité que je dois regarder. C'est dommage d'avoir regardé cette carte-là. Au final, elle ne m'aura pas servi à grand-chose. Et là, on a un ours, non? Ah, on a la pluie. Battante. Allez, donc c'est à nous. M'obligez pas à jouer de la hache. On balance ça. Longue vie, blablabla. Trop à force d'unité hors carton. Je te promets une mort rapide. Hop, allez, préparez-vous. Un drakkar. Que comptes-tu faire contre un bateau entier? Oh oui, fais ça. En avant! Chargez! Fais donc cela, chien. Désolé. Ce sont des choses qui arrivent. Ah, je suis tenté. Ouais, on va faire ça. Allez, salut! Salut sous la pluie! D'accord, tu fais ça toi. Hop, on le booste! Cette salutation! Sera à moi! Ah, il en booste 2, c'est vrai. Ouais, mais t'es toujours derrière, donc moi je vais hop, te faire patienter. Alors ça sert à rien, hein. Salutations. Hop, il débooste encore. C'est pas grave, moi je vais faire rassemblement. Chaque fois qu'il nous suit ici, t'as fait vie, ajoute 2 à force d'apprendre une idée. Ah, dommage! Ce n'est pas qu'est-ce fini. Que vous me voulez? Ce n'est pas fini. Où est-ce qu'on les tue tous les deux maintenant? Oui. Tac. Et là, faut que ce soit de la merde ce qu'ils jouent.
la promotion qui fait gagner. Bon bah... Toi tu resteras. Après la mort. Ah non, je suis déçu. La décevance. Non, on ne peut pas finir comme ça. On ne peut pas. On en refait. Hop. Vous avez reçu une récompense supplémentaire. D'accord, j'ai l'impression que plus on bourre, plus... On rejoue Crâne avec Crête. Je m'en fiche. On peut pas finir sur ça. La vidéo durera plus longtemps. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais bon, je veux pas que ça se finisse comme ça, hein. Esteb et ses créassa. Ancrète. Ancrète. Alors. Ça c'est bien, sonnerie de la charge. Ça. De la fin à toutes les autres unités, d'accord. Ça est pas mal. Toc. On va peut-être retirer un éclair. Un barde, un scald, je veux dire. Et on est bon. On accepte. En fait j'aurais pas dû jouer les guerriers. En fait j'aurais. Ou alors j'aurais dû jouer les guerriers, mais pas mettre le froid, je sais pas. Je ne sais pas ce que j'aurais dû faire. Quand j'ai joué le froid. Peut-être attendre plus longtemps pour jouer le froid. Faire la griffe. J'avoue que je sais pas. Je ne sais pas ce qui aurait dû être fait. Alors, c'est l'adversaire qui joue en premier. Lacération qui va être très efficace contre lui. Hein. Les dernières paroles. D'accord, vas-y. Vas-y, tu sais quoi? Le printemps, c'est ma saison préférée pour partir en raid. Pour ça, si tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, vas-y, joue. Je suis prêt. Toute résistance est inutile. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça, on le garde. Holger, ça me dit quelque chose. Tac. Donc, en gros, ça me rajoute 10. Oh, c'est pas suffisant. Bah on va passer, on va le laisser gagner cette manche là, il a laissé une carte qui lui servira à rien. Ça aurait été drôle quand même qu'il joue une carte en plus. Alors vas-y. Est-ce que c'est pas grave. Moi elle se booste en attendant. Allez, vas-y, joue. Ok. Moi, je vais te dévorer le cœur. Je vais te dévorer le cœur. Il est enragé. D'accord. Ah merde, là il vient de détruire mon jeu. Sauf que non, c'est parfait. Incinération. Brûlé en enfer. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Tu as perdu deux cartes en une fois. Que vas-tu faire? D'accord, ça marche. C'est bien. J'en veux un trait de guerrier. Comptes-tu faire maintenant? Tu ne peux rien contre moi. Ah, sachant qu'on va si la petite unité affaiblie mais pas détruite, transformez-la en ours enragé. Donc, est-ce qu'il faudrait qu'on tente de l'affaiblir avec ça?
pense qu'on va, on va essayer. Par Odin et par Thor, disparaît, vil serpent. En fait, le but c'est d'essayer de, on va essayer de garder nos unités. On les balancer après. Force. On va quand même gaspiller une potion. Faut pas faire ça. Hop. Parce qu'après lui on a lui qui va faire pareil. Enfin pas pareil mais presque. C'est vrai qu'ils ont nerf Jaskier qui était une carte complètement pétée. Ouais, qu'est-ce que ça t'apporte? C'est une carte spéciale à toi de notre défaut, ça ajoute 3 à la force de sa présente unité. Ah merde. On pourrait te balancer toi. Qu'ils viennent donc. On fera pleuvoir feu et acier en leur honneur. Voilà, merci. Bon, après tu les as tous affaiblis, mais je peux faire pareil, t'inquiète pas. Ok. Sauf que tu vois, moi j'ai un drakkar, à toi. Le bateau, comme on a déjà vu, ça marche plutôt bien. Patatata, 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 patatata. Allez, vas-y, joue! Joue, Yugi! Qu'est-ce qu'il a fait? Sur du tonnerre! Sauf que... En avant! Hop. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Là, il peut rajouter un plus 10. Là, on en a 3. Hop. Allez, vas-y, rajoute ton plus 10. On a un point. Et le problème, c'est que je sais pas si ça, ça va compter. 3 à sa force. Putain, faut vraiment que ce qui lui reste après, c'est de la merde. Mais j'ai pas trop le choix, là. Me casse pas les pieds. Maintenant, prépare-toi à ta défaite. Ben je passe, hein. Mais... Allez, faut que ce qui lui reste soit de la merde. Si c'est le beau truc là qui lui reste, on a perdu. Yes! C'est sa petite merde! Tiens! Alors par contre, je joue surtout pas ça, sinon ça va ramener ces trucs de merde. Maudron Freya est patiente, mais elle ne tolère pas les affronts. Et donc, par contre, est-ce que quand ils arrivent, ils perdent... C'est pour ramener l'ours enragé. Là, on va... prier pour que ce soit suffisant. Oh, oh tiens, on gagne. Oh, il les a même pas. Oh non, l'incinération. Ah, je me suis dégoûté. Bon, ben on finira sur une défaite. On a vraiment pas de chance. 5 minerais, non, sachant qu'il en faut. Hop. Ah bah on peut acheter un tonneau, on va finir sur sur l'achat d'un tonneau. Ah, on peut ouvrir un baril. Bah attendez, on va. Humain dans échoppe, échoppe dans échoppe. Oh, voilà. Nous tout casse-cassé. Allez. On va finir sur l'ouverture de deux barils. Oh, pas mal. Ça, il était bon de votre côté, cheval, de jouer un exemplaire depuis votre jeu.
Bruno. 20 manticores, retirer 4 à force de tous les exemplaires, retirer 2 à force du... Pas mal. Plus. Et là, on a le choix, comme d'habitude. Soit une goule. Soit invulnérable au brouillard, chaque fois que vous dépassez une unité, ajoute 2 à la force de la présente unité. Allez, ça parce que le crâne à crête. Ouvrir le prochain baril, vas-y. Allez. Trop lolo. Tirez 1 à la force de toutes les unités sur la ligne adverse. Ajoutez 1 à la force pour chaque unité. Vous, c'est puissance. Le Necker. Tant que la présente carte se trouve dans votre main ou votre jeu, ajoutez 1 à sa force chaque fois qu'une unité de votre côté absorbe la force du Necker. Quand la présente carte est retirée du champ de bataille, jouez une unité Necker depuis votre jeu. D'accord. 1 à sa force chaque fois qu'une unité de votre côté absorbe la force d'une autre carte. Ok, c'est pas mal. 2 à force de tous les... ça c'est pas mal aussi. Et brouillard impénétrable. Encore plus. Et... Alors, j'y vais encore jouer tous les espaces de jeu en unité de bronze. Pour faire un bouclier à tous les exemplaires d'une unité située de côté bleu. D'accord. Le bouclier de Quen me semble pas mal du tout. En même temps, ça a l'air pas mal. Voilà. On finit la vidéo sur ça. Malheureusement, il n'est pas sur des choses qui arrivent. Et sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.